Ces victimes espèrent que cette audience de confirmation des charges est le début de d'autres procédures, d'autres affaires qui vont permettre que l'ensemble des plus grands responsables des crimes commis en Côte d'Ivoire puissent être poursuivis. Surtout, les victimes espèrent que les juridictions nationales en Côte d'Ivoire également vont mener des procédures, vont engager des actions contre l'ensemble des auteurs en Côte d'Ivoire sans tenir compte de leur camp, sans tenir compte de leur obédience politique.